Ok. Attends, je vais dire un truc. Attends, tu me attends, je vais dire 4 ans. Attends, je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Yacine, je vais dire c'est qui ta vraie mère. Je vais dire c'est qui ta vraie mère. Patate, vas-y. Je vais dire c'est qui ta vraie mère. C'est qui? C'est qui? Dis-moi c'est qui. Ta vraie mère, elle s'appelle. Toi aussi tu joues à la console, mais c'est la hesse. T'as pas de carte PSN ni de carte Xbox Live. Tu connais pas Allo Paradise? Tu connais vraiment pas? Va pécho tes cartes PSN et Xbox Live sur le site Allo Paradise. Il y a un code de 5%. Code Familia 10. T'es encore dans ma chambre? Eh, descends en bas, j'ai un message pour toi. Vraiment, vraiment, descends, j'ai un message. Putain, t'abuses, frère. Je suis posé comme ma soeur en train de jouer à la play. Y'a quoi? Pourquoi tu veux que je descende? La flemme. Arrête de faire la star, ouais, je descends. C'est bon, je descends. Putain, il rend ouf, lui. Je suis posé sur FIFA, tu descends pour rien, là. Yacine Salem, fallait que je te parle et que je parle aussi devant les abonnés, puisqu'il fallait des témoins. Voilà, ça fait 24 ans bah, qu'on est tout le temps ensemble, hein. On est tous les jours ensemble. T'es comme mon frère, comme mon pote, mon meilleur pote, tout ce que tu veux. Mais là, vas-y, ça fait 24 ans que je garde ce secret, franchement, j'en peux plus. On est sur YouTube, on rigole et tout, mais à chaque fois que maman, papa, ils me regardent, Myriam, on est gêné, tu vois, il y a une sorte de gêne. Et là, je suis obligé de te le dire, je pense que t'es assez mature, t'as assez grandi et tu peux accepter les choses. Voilà, comme tu le sais, hein, maman, c'est maman, papa, c'est papa. Et ils m'ont dit tout simplement de ne jamais te révéler ce secret, à part s'ils étaient partis, sur s'ils partaient, si on allait de notre côté ou de leur côté. Mais là, je suis obligé de te le dire, j'en peux plus. En fait, tout simplement, bah, t'es pas vraiment mon frère de sang. T'as été adopté à la naissance. Et puis, bah, t'as adopté et à l'hôpital, elle a choisi un enfant d'une mère porteuse. Et puis voilà, t'as été adopté. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Moi, je te considère comme mon petit frère. Mais voilà, je devais te le dire et j'espère que rien du tout va changer. Et du coup, Sofiane Omar et tout, bah, c'est pas vraiment tes cousins, mais de toute façon, on est frère, tu vois. On est des frères, mais c'est chacun son cartel maintenant. Vas-y, frère. Mais qui est-ce qui raconte, lui? Moi, j'ai été adopté. Mais wesh, c'est un malade mental. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais avec lui quand j'étais tout petit. Je peux pas être adopté, c'est pas possible. Attends. Dis n'importe quoi, lui, voilà. Qu'est-ce qu'il raconte? Younes, t'es où Younes? Younes! Mais il est où lui? C'est quoi ce truc de ouf là? Hé, hey, t'es où Younes? Ouah, wow, il veut quoi lui? C'est quoi cette vidéo que tu m'as envoyé là? Ces histoires d'adoption, je sais pas quoi, tu dis que de la merde! T'as 26 ans, tu fais encore des blagues comme ça, c'est quoi ce truc de ouf là? Frère, je peux plus te garder ça pour moi, c'est pas une blague, tu me crois pas? Viens, on va demander à Myriam, maman et papa. Myriam, viens voir vite fait. Quoi? T'as entendu la nouvelle Younes qui m'a dit ce fou? Il a dit que j'ai été adopté. Adopté en gros c'est quand t'es né et bah tes parents ils vont à l'hôpital et ils choisissent un bébé au hasard, ils ont dit que c'était moi. Bah tu le savais pas? Comment ça je le savais pas? T'as été adopté. Quoi? Toi aussi tu t'y mets? Mais vous êtes des malades mentales vous, qu'est-ce qu'il raconte? J'en étais sûr, il me prend pas au sérieux mais au moins je l'ai dit. Voilà, je pouvais plus garder ça pour moi mais au moins c'est dit. Et vas-y on va aller voir ma mère et ma petite sœur et comme ça elle va lui avouer tout. Au moins je serai tranquille, j'ai plus ce poids sur le cœur, c'était trop là. Il fait nuit, mais là faut que je demande à ma mère parce que là Yacine ne me croit pas. Ça va maman? Oui, ça va. Pas trop fatigué? Non, ça va. Yacine, il faut lui dire le secret, c'est bon là, c'est trop. Faut qu'on lui dise. Oui, faut qu'on lui dise, c'est trop. Ça fait, il a 24 ans, il est grand, faut lui dire. Du coup, je lui ai dit. T'as pas fait ça, Yacine? Bah, je suis obligé, moi j'aime pas mentir, tu connais. Bon, bref, je lui ai dit, s'il vous demande, bah, c'est moi qui lui ai dit. The next day. Bon, les frères, on a dormi, la nuit porte conseil, j'ai emmené Yacine faire des courses. Il m'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais bon, tranquille. Ouais, Yacine, c'est comment aujourd'hui? Eh, va prendre ton chariot, va faire tes courses de ton côté, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Quoi? Bon, on a fini les courses, la famille, avec le confinement, c'est un peu bizarre. On dirait pas vraiment qu'on est confiné. Mais bon, t'en penses quoi, Yacine? Faut raconter de la merde, viens m'aider, putain. Quoi? Faut te raconter de la merde, viens m'aider. Bah, je voulais faire une séquence, c'est bon, tranquille, calme-toi, t'es pas obligé de t'énerver, hein. Ah bah oui. Vas-y, viens, on y va. On y va rien du tout, moi, j'ai pas besoin de toi. Je me casse, écoute. Tu vas où? Wesh. Tac. C'est vraiment vrai ce que tu es en train de me raconter depuis hier, là? Quand tu dis que j'ai été adopté, c'est vraiment vrai? Ouais. Eh, je te parle. Oh, je te parle. Ah, ça va. C'est vraiment vrai ce que tu me dis depuis hier là, que j'ai été adopté? Mais moi, je peux plus garder le secret, ça y est, ça fait 24 ans, c'est bon, je suis obligé de le dire au bout d'un moment. Assis-toi. J'étais obligé de te le dire, je peux plus le garder pour moi, on est tous les jours ensemble,
Toujours je te regarde, j'ai ce truc dans ma tête qui est... Désolé Yacine. C'est quoi, je vais te donner une dernière preuve. Appelle maman et demande-lui qu'elle passe le livret de famille, tu vas voir, elle va dire qu'elle l'a pas parce que t'es pas dans le livret de famille. Je suis pas dans le livret de famille. Non, t'es pas dans le livret de famille. C'est rien, on est frères quand même. Qui Siri, appelle maman sur haut-parleur. On est quand même frères. Ça bouge pas. Je suis pas ton frère, laisse-moi tranquille. Appelle-la, tu verras. Allô, Salem, ça va? Je te dérange pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pour te demander, maman, il est où mon livret de famille? Ton livret de famille? Ouais. Quel livret de famille? Bah, pour YouTube, parce que Inès dit que j'étais adopté. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Accroche, je te l'ai dit, elle n'a pas. Moi, je sais pas où il est, bah, je te laisse, hein, je suis occupé là. Ah, tu sais pas? Ouais. Ok. Attends, je vais dire un truc. Attends, tu bloques. Attends, je vais dire 4 ans. Je vais dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire c'est qui ta vraie mère. C'est qui? Calme-toi. Pendant 24 ans, tu me caches que je suis. C'est rien, on est quand même des frères, c'est la même chose. Yacine, je vais dire c'est qui ta vraie mère. Je vais dire c'est qui ta vraie mère. Ta vraie mère. Elle s'appelle Gertrude et elle vit dans les Alpes. Non, Yacine, arrête. On est quand même frères. Calme-toi. Putain, wesh. Je savais que j'aurais pas dû lui dire. Ça a tourné, hein. Les frères, vous avez vu comment il est, dans quel état? J'étais obligé de lui dire, je peux plus garder ce secret pour moi. Et je crois que cette vidéo-là, c'est la pire que j'ai eu à faire de... Calme-toi! Je vais le dire à Gertrude! Cette vidéo-là, c'est la pire que j'ai dû faire sur notre chaîne YouTube, la famille. Donc, je compte vraiment sur vous pour une fois dans ma vie. J'ai voulu le faire, je m'en fous, je peux plus. On va exploser la barre des pouces bleus pour Yacine. Je pense qu'il est super énervé. Parce que c'est un prank. Il est super énervé et rien que demain, je vais aller le voir et je vais lui faire une vidéo où je vais me faire pardonner, la famille. Je compte vraiment sur vous pour atteindre les 20 000 pouces bleus. On l'a jamais fait en 24 heures. Mettez 20 000 pouces bleus. Demain, je lui fais une méga surprise parce que là, il est énervé. Je vais le dire à Gertrude.